Bonjour à tous et bienvenue sur Power Rangers Réunification. Donc, l'arc Shattergrill commence aux États-Unis, le fameux gros arc pour spécial pour les 25 ans. Et donc, sort le numéro 25. Donc, je sais pas si vous avez vu déjà un peu sur internet. Donc, il est déjà sorti il y a 2 semaines aux États-Unis quasiment, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, je l'ai enfin reçu. Je suis super content là-dessus. Mais ils ont décidé par contre de faire une sortie, en fait si vous passiez la commande, vous aviez marqué polybag et tout, et on se demandait qu'est-ce que c'est. Et le polybag en fait c'est ça. Il faut savoir que pour donc, ce numéro 25 de Mighty Morphin Power Rangers, donc, qui marque vraiment le début de l'arc Shattergrill, après les préludes qu'on a trouvé dans MMPR et dans Google, bah, en fait comme pour le numéro 0, vous n'avez pas vraiment de couverture principale. Il y a plein de variantes cover, dont celles qui ont le plus circulé, vous avez certainement déjà vu. On voit à ce moment-là Lord Dracon tenir l'un des casques des Rangers bien endommagé. Alors, du coup, moi j'ai reçu mon exemplaire et je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Je sais le numéro 25. D'ailleurs, Boom Studio numéro 25. Mais je ne sais pas quel cover. Donc, on va prendre des ciseaux et puis on va regarder ça ensemble. Hop, donc naturellement, on va faire ça de la manière la plus propre possible. C'est un peu dommage que, par contre, on n'a pas d'ouverture facile, si on veut, pour faire quelque chose de bien propre. Donc on va regarder ça. Voilà, on pose tout ça. Hop. Et donc, attention, hop, là, la couverture est devant. Hop. Ouais, j'ai le dos. Je vous laisse découvrir même avant moi. Laquelle c'est? Voyons voir. Avec la Ranger jaune, donc avec Trini. Bon, c'est pas celle que j'aurais préférée, mais elle est tout de même assez sympa. Donc, sinon, on va feuilleter un peu quand même. Hein. Donc, ça, les Time Force Ranger, donc, on en a vu parler. Donc, vaisseau des Time Force. On voit déjà, je sais pas si vous voyez bien, donc les Rangers Dino Charge. Enfin là, il y a plein de... C'est vraiment le gros crossover qu'on attendait. Donc c'est... Donc on voit Ninja, l'entrée comme... C'est... Donc bon, en tout cas j'ai hâte de le voir. Enfin de le voir, de le lire, hein. Parce que c'est vraiment juste génial, je sais pas si vous... N'hésitez pas à venir sur le site, à regarder tous les articles qu'on a fait là-dessus. Vous voyez, il y a plein d'images qui sont déjà sorties jusqu'au numéro 27. Et ça s'annonce vraiment juste épique à souhait. Donc sur ce, prenez soin de vous et que le pouvoir vous protège.